Bon, aujourd'hui, je vais faire des ailerons de dinde. Je dis bien des ailerons de dinde au fumoir. Donc, j'ai fait une préparation, j'ai fait macérer pendant plus de 8 heures, on va dire une nuit, avec du ras el hanout, des épices, tout ça. Voilà. Ensuite, le fumoir, voilà, je suis en train de le démarrer. Donc, je vais monter la température du fumoir jusqu'à 120 degrés. Une fois que j'aurai atteint 120 degrés, je vais déposer les ailerons de dinde. Je mettrai un petit peu de sciure de bois qui est en train de tremper en ce moment. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc, j'attendrai qu'à 121 degrés à peu près sur le fumoir. Je mettrai les ailerons de dinde une heure et demie. Et j'attendrai la fin de cuisson qui devrait être parfaite. Le fumoir devrait descendre à 70 degrés, 80 degrés. Là, on arrivera à quelque chose de parfait. Voilà, donc là, je vais couper. Je vais laisser la cheminée faire son travail. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, là, ça fait 5 minutes que je l'ai mis. On a déjà atteint les 200 degrés. Ça fait beaucoup. Mais tant que j'ouvre pour mettre. Pour que j'aille mettre la grille dont j'ai préparé. Voilà. Donc je vais les poser et on va laisser ouais, une bonne heure et demie fumer. Donc je vais essayer de vous poser le truc, je sais pas comment. Attendez, je vais poser le. Je reviens. Bon voilà, les ailerons de poulet sont préparés sur la grille. Le fumoir est à presque 200 degrés. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc en fait, le temps de l'ouvrir, le temps de mettre tout, il va redescendre. Je vais atteindre les 120 degrés, je vais vérifier souvent. Voilà. Je vais essayer de poser ça ici. Et voilà, comme ça vous verrez. Bon bah c'est parti pour une heure et demie. Là bah on est déjà à, encore à. On est à 120 degrés, on est parfait là. Donc 120 degrés, j'ai ouvert en haut à fond. Je vais fermer un peu la trappe ici. Voilà, que ça soit un peu moins fort. Et peut-être on regardera d'ici une heure ou une heure et demie, voilà, à tout à l'heure. Bon, ça fait déjà une heure que ça marche. Là, on est à 140 degrés, donc on a un peu plus. Ça permet de m'arrêter. Voilà. Regardez. Je sais pas si vous, ça vous donne envie. Mais moi, oui. Bon ben, bonne dégustation à moi. Alors si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un like, ça m'aidera. Merci beaucoup, à bientôt.